bah, s'il y a un prix d'une grosse attaque, ta cible de la journée, tu l'as passée. Hein. Ouais, c'est vrai que ça a été une belle journée où on a attaqué fort pour remonter sur Andreas. Après notre crevaison d'hier, on n'avait pas le choix. Et on est plutôt content, on a réussi à lui reprendre 27 secondes, je crois, sur la journée. Donc c'est une belle journée. Grosse attaque, des frayeurs, des chaleurs. Frayeurs, non. Après, des passages un peu chauds, ouais, c'est clair, parce qu'on a attaqué. Demain, 66 km, c'est la plus longue spéciale du championnat du monde. Tu l'appréhendes comment cette spéciale avec ta voiture? C'est vrai qu'elle va être longue pour tout le monde, mais après le parcours est plutôt très rapide sur les en gros 40 premiers kilomètres. Donc on va voir si on la trouve très longue ou peut-être pas forcément beaucoup plus que la 50 d'hier qui était beaucoup plus similaire. De toute façon, maintenant, sur l'objectif, rester en tête de ta catégorie. Hein. Ouais, bien sûr, on va essayer, mais ça promet d'être serré jusqu'au bout si on continue tous les deux à rouler comme ça. Okay, Sébastien, how was your day? Yeah, it was a very nice day for us. We push really hard to come back in the lead of the category. It was not easy because Andreas was very fast also, and we had to push hard. But now we are at the end of the day and very happy with that because we took 27 seconds to him, and we are very pleased with that.